Le Bayern Munich s'est imposé mercredi soir face au PSG 2-0 lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Auteur de l'ouverture du score plein de sang-froid à la 61e, l'international camerounais Eric Maxime Choupo-Moting a anéanti les espoirs de son ancien club qui accusait déjà un retard d'un but avant le début de la rencontre. Serge Gnabry enfoncera le clou en fin de match avec un second but. C'est le 17e but de Choupo-Moting, toute compétition confondue cette saison avec le club bavarois. Grâce à cette victoire, le Bayern Munich file en quart de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, déçu forcément après cette nouvelle désillusion en Ligue des Champions, devra se concentrer sur la Ligue 1, seule compétition majeure qu'il peut encore remporter cette saison. Kylian Mbappé, inefficace lors de cette rencontre, a fait le constat après le match en zone mixte, sur le niveau réel du PSG. De quoi foutre un coup de pression à la direction du club parisien pour la saison prochaine. Pas grand chose quand on regarde l'état des deux équipes. Voilà, ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif. Voilà, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Nous, comme je l'ai dit en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum. Notre maximum, c'est ça. C'est la vérité. Et voilà, on va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le championnat.